Cette année a été une année de transformation de l'expression culturelle africaine, même si l'Afrique a perdu des légendes dans la musique, elle a su trouver les moyens de préserver, de faire renaître son histoire et la faire rayonner à l'échelle mondiale, dans la mode, l'écriture, à l'écran et dans d'autres aspects de la culture. Revivons ensemble quelques moments clés des célébrations, des jalons et des réveils culturels qui ont marqué cette année 2020. Angélique Kidjo a lancé l'année 2020 avec une performance monumentale lors de la 62e édition des Grammy Awards en janvier. L'icône béninoise a remporté son 4e Grammy du meilleur album de musique du monde. Le projet de Kidjo Celia rendait hommage au légendaire batteur nigérian Tony Allen, décédé cette année à l'âge de 79 ans. Et 2020, c'est aussi un pari fou lancé par le chanteur Akon qui a entamé la construction d'une ville intelligente futuriste à une centaine de kilomètres de Dakar, dont l'économie sera basée uniquement sur la monnaie virtuelle, la coin. La Somalie a signé en février un accord avec l'UNESCO qui vise à renforcer les efforts de préservation de sa culture et de son histoire, ainsi que l'amélioration de son système éducatif. Le Théâtre national de Mogadiscio a rouvert, une réouverture qui a coïncidé cette année avec la célébration du 60e anniversaire de l'indépendance. Autre projet de rénovation entamé au mois d'août au Bénin, la terre de l'ancien royaume du Dahomey a décidé de restaurer son fort de Ouida. Objectif, promouvoir le tourisme et rendre hommage à ses ancêtres africains emmenés de force depuis le principal port de cette ville côtière et réduit en esclavage. La star noire américaine Beyoncé a célébré ses origines dans son dernier album Black is King, sorti en juillet dernier et qui évoque l'histoire collective des peuples d'origine africaine. Elle s'appelle Anifa Mwemba et a révolutionné le monde de la mode en organisant le premier défilé virtuel en 3D. Un événement qu'elle a diffusé sur ses comptes Instagram. Premier défilé ouvert aux mannequins hommes et femmes, post-Omar El-Béchir en novembre. Khartoum a réuni sur une même piste des stylistes venus montrer leur savoir-faire. Un événement historique. Plus qu'une révolution, c'est un vent nouveau de liberté qui a soufflé ce jour sur le Soudan, sur ses podiums de mode. Une situation inimaginable sous l'ancien régime d'Omar El-Béchir. Une belle année 2020 pour la Camerounaise Jaïli Amadou Amal qui a remporté cette année le prestigieux prix littéraire français Goncourt des lycéens pour son roman Les Impatientes. Chimamanda Ngozi Adichie collectionne les trophées. La romancière nigériane a vu son livre L'autre moitié du soleil récompensé du titre du meilleur livre du Women's Prize for Fiction. Clap de fin pour Queen Solo, l'espionne sud-africaine aura fait un petit tour puis s'en va. La première série originale africaine de Netflix sortie en février n'aura pas de saison 2. Les tournages ont été interrompus en raison de la pandémie du coronavirus. Si l'année 2020 a été marquée par une pandémie mondiale, elle a aussi vu l'avènement d'un phénomène très contagieux venu d'Afrique, la chorégraphie exécutée sur le titre Jérusalem du DJ sud-africain Master KG et la chanteuse Nomcebo Zikode. Ce titre qualifié de l'hymne du confinement a gagné la planète. Oui.
Cette année 2020 a été particulièrement sombre pour le monde de la culture africaine. Manu Dibango, la star camerounaise de l'afro-jazz, connue pour son tube de 1972 Soul Makossa, a quitté le commun des mortels. Il avait 86 ans. Une autre icône, Joseph Tshabalala, a posé définitivement le micro. Le fondateur du groupe sud-africain Ladysmith Black Mambazo a reçu plusieurs Grammy Awards au cours de sa carrière. Il avait 78 ans. 2020 a également vu la perte du patriarche de la rumba, Edon Gaga. Il était le dernier survivant des fondateurs des Bantous de la capitale. Le chanteur et musicien guinéen Mori Kanté est lui aussi mort à l'âge de 70 ans, vendredi 22 mai 2020, dans un hôpital de Conakry. L'auteur du tube à succès Yeke Yeke, mille fois reprise et diversement remixée. Autre disparition, celle du noir américain Chadwick Boseman, le super-héros des studios Marvel, est mort d'un cancer du côlon qu'il avait gardé secret.